Bonjour. Nous sommes très nombreux ce matin, presque une centaine d'inscrits. C'est la raison pour laquelle les caméras et les micros sont coupés pour éviter de troubler le webinaire. Donc, bienvenue à ce webinaire sur le gel et surtout sur les actions qu'on peut mettre en place. Après un gel, notamment un gel d'une telle ampleur, donc le service viticulture de la Chambre d'agriculture a souhaité organiser ça assez vite pour pouvoir accompagner les vignerons dans cette dure épreuve. J'admets les personnes. Pour votre information, le webinaire est enregistré pour qu'on puisse le rediffuser pour les personnes qui n'était pas disponible. Bon, dans la mesure où les caméras sont désactivées, vous n'apparaîtrez a priori pas à l'écran. Voilà, mais sachez que c'est enregistré. Je vais donner la parole à Éric Paul, notre président de commission viticole à la Chambre d'agriculture qui va introduire ce webinaire. Éric. Oui, merci Marine et bonjour à tous. Et encore un grand merci d'avoir répondu aussi présent. S'il était utile de constater qu'il y avait une attente sur le terrain, votre présence nombreuse nous réconforte l'équipe Viti et donc nous permet de constater que malheureusement, l'ampleur de la catastrophe est au-delà de ce qu'on avait pu imaginer. Je voudrais en commençant cette introduction, excuser Fabienne Joly, présidente de la Chambre d'agriculture, qui ne pouvait pas se joindre à nous ce matin. Remercie évidemment les équipes de la Chambre qui se sont démanchées, comme on dit plus trivialement, depuis une semaine, et ainsi que Monsieur Lorito qui nous apporte ces éclairages climatiques et météorologiques au quotidien. Merci encore de participer à nos travaux et de pouvoir nous éclairer sur ce qui s'est passé. On l'a tous constaté puisque l'intempérie qu'on a subie jeudi dernier est catastrophique. On a eu des températures, mais M. Loreto le dira mieux que moi, qui sont allées jusqu'à moins 9. Dans les premiers recensements que nous avons pu avoir, et merci de vous être fait recenser, et je ne suis pas sûr que ce soit malheureusement que ce soit exhaustif, mais on a déjà une bonne vision sur le terrain. C'est plus de 350 exploitations, aux alentours de 8000 hectares qui sont impactés, ce qui est un gel énorme. Mais compte tenu des températures qui ont été relevées ça et là dans nos campagnes, on s'attendait à ce genre de problématique. Dire aujourd'hui combien il va manquer, j'en suis absolument incapable. On sait les dégâts que ça a pu provoquer, mais la déclaration de récolte nous permettra de savoir exactement ce qu'on a perdu. Moi, je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a les réflexions en deux temps. Il y a effectivement ce qui nous anime ce matin, c'est les conseils de la part des techniciens chambres. Qui sont étayés sur des expérimentations, sur des et ce qui a pu être constaté les années malheureusement précédentes, puisqu'on n'en est pas à la première fois, et de pouvoir vous conseiller sur l'ensemble des méthodes et de ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire en sorte que la vigne soit dans une moins mauvaise position que ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis il y a la réflexion à plus ou moins long terme, mais au moins à moyen terme. Je crois que la récurrence de ces événements climatiques, que ce soit le gel, la grêle ou autre, puisque depuis 2012, je vous rappelle que c'est pas moins de 7 épisodes qui ont eu lieu sur le département, avec des ampleurs différentes. Cette répétition des accidents climatiques nous impose une réflexion et nous impose plusieurs choses. La première, c'est d'avoir en tête cette notion de changement climatique et cette notion que l'on doit analyser, puisque le changement climatique nous impose de travailler différemment et d'adapter nos pratiques. Je crois que la Chambre d'agriculture est le meilleur endroit pour pouvoir parler de recherche et d'expérimentation au regard de ce changement climatique. Et je voudrais à ce niveau-là de notre discussion juste rappeler que nous avons dans la filière viticole le président du conseil spécialisé, Jérôme Despé, le président du comité national AOC de l'INAO,
et moi-même avons pris le sujet à bras le corps il y a déjà 4 ou 5 ans. Et nous avons créé un groupe de réflexion au changement climatique qui, sur la base des scientifiques du projet La Cave, nous ont permis de dégager un certain nombre de pistes. Nous avons fait plusieurs allers-retours avec les régions et les vignerons en région. Et donc, nous sommes en phase pas terminale, puisque c'est le travail qui commence, mais nous sommes quasiment prêts pour fin juin, aller présenter au ministre un peu la feuille de route sur le changement climatique. Et je crois que si on peut résumer le sujet sur quelques éléments, je crois qu'il y en a un qui est à prendre en compte, c'est d'essayer d'avoir la plus grande action pour réduire les effets et atténuer les effets de ce changement climatique, notamment par notre réduction de production de gaz à effet de serre. Voilà, c'est un sujet qui est vaste, qui est passionnant. On aura l'occasion d'en reparler du changement climatique. Si on a une possibilité, on fera une présentation dès que les choses seront complètement ficelées et rendues au ministre, au service du ministère, pour qu'on puisse avoir ce retour sur l'ensemble des territoires de notre département et de la région. Voilà, donc encore un grand merci de participer à ces travaux ce matin. Et n'hésitez pas, à la suite du webinaire, de pouvoir poser des questions, me semble-t-il, Marine, pour pouvoir. Et n'hésitez pas à faire appel aux techniciens chambre également, autant que cela sera nécessaire. On ne pourra peut-être pas répondre à tout, parce que malheureusement, ce n'est pas une science exacte qu'on observe chaque année et à chaque événement climatique, malheureusement. Mais on est là, justement, pour rechercher et expérimenter un certain nombre de choses. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Eric. Donc, effectivement, si vous souhaitez réagir, poser des questions, n'hésitez pas à ne pas attendre la fin des présentations. Il y aura plusieurs moments durant le webinaire, pardon, où on aura des phases d'échange de questions. Vous pouvez en fait poser des questions via la discussion, qui s'affiche. S'intitule discussion ou sous la forme d'une petite bulle où vous pouvez écrire vos questions ou vos commentaires. Marine, je vais insister une minute oui. sur votre engagement et sur l'engagement de l'équipe Viti de la Chambre et de l'ensemble des équipes de la Chambre. Parce qu'il y a la partie Viti, effectivement, mais il y a aussi d'autres filières et l'ensemble des équipes Viti sont mobilisées pour vous accompagner là-dessus. Soyez-en certains. C'est gentil. Oui, effectivement, les conseillers sont sur le terrain, que ce soit en viticulture, en arboriculture, en horticulture, en maraîchage. Puisque, effectivement, sur l'épisode qui a eu lieu jeudi dernier et les nuits qui ont suivi pour certains, ce sont principalement les viticulteurs qui ont été frappés, mais aussi bon nombre de maraîchers, arboriculteurs et horticulteurs qui sont concernés. Encore un grand merci à vous. C'est gentil. Au nom de la profession. Alors, du coup, on va dérouler. Surtout, n'hésitez pas à réagir sur le chat. Vous aurez des petites diapos pour vous indiquer à quel moment on va pouvoir répondre aux questions. Donc, il y aura deux, trois moments dans la session pour pouvoir échanger. Alors, donc, le gel dans le vignoble varois, comment réagir? Voilà, on va vraiment se focaliser sur l'après-gel aujourd'hui. Il y aura probablement des questions et on pourrait avoir des débats sur la lutte et la protection contre le gel. On ne rentrera pas forcément dans les débats aujourd'hui parce qu'on n'en aura pas le temps. Ça n'est pas impossible qu'on puisse refaire des webinaires ou des réunions d'information en présentiel sur cette thématique. Et sachez que ce sont des thématiques que l'on souhaite aborder dans nos programmes d'expérimentation à l'avenir. Mon document veut bien avancer. Voilà. Alors, on va donner la parole à Johan Lorito, donc, qui gère l'entreprise Météo Varoise, donc un expert reconnu sur notre département et connu de pas mal d'agriculteurs. Donc, Johan va nous faire un topo sur les phénomènes météo donc, qui ont eu lieu
qui ont eu lieu la semaine dernière. Johan, est-ce que c'est bon, ton micro est... C'est fonctionnel pour ma part. Bonjour. Ah, voilà, très bien. Pardon. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, merci à la Chambre de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce phénomène, ce phénomène de gel qui se répète encore cette année, malheureusement. Donc, pour synthétiser brièvement, une vague de froid a touché une grande partie de l'Europe la semaine dernière. Plusieurs pays ont été touchés, il n'y a pas que la France, on a eu aussi le nord de l'Espagne, on a eu l'Italie. L'Italie qui a gelé quasiment jusqu'au centre-sud du pays, ce qui est exceptionnel à cette période, avec des gelées aussi fortes. La Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, voilà. Donc une grande partie de l'Europe, toute l'Europe de l'Ouest quasiment, et l'Europe centrale. Cette notion de vague de froid, nous l'avions hein, une bonne semaine et demie avant qu'elle se produise. On savait qu'on devait faire face à du gel à un moment donné, au moins une à trois nuits, hein, suivant les secteurs. Et c'est ce qu'il s'est passé. Et donc, on a eu la confirmation très rapidement, hein, au moins cinq à six jours avant le phénomène. Ce qu'il fallait caler, c'était la baisse du Mistral, parce que nous avions du Mistral au départ. Et lorsque ce Mistral tombait, on allait avoir un sévère risque de gel, qui s'est donc produit dans la matinée du 8 avril, dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 avril. Les températures relevées au petit matin du 8 avril sont assez exceptionnelles en 2021 pour une vague de froid de ce type. On a eu des records qui sont tombés parfois de plus de 50 ans dans le département. Ici, la carte présentée est donc la masse d'air globale sur l'Europe au moment du début du coup de froid le 7, hein, qui est déjà bien installé d'ailleurs. Température au niveau de 2500 mètres d'altitude avec des anomalies par rapport aux moyennes qui sont établies sur à peu près 30 ans, qui sont jusqu'à 10 à 12 degrés sous les normales de saison. La prochaine carte va illustrer la répartition du gel en début de matinée du 8 avril. Il n'y a pas de souci. Là, on va remarquer un gel qui est donc généralisé, un gel plutôt sec d'ailleurs, hein, puisque nous étions en fin de Mistral. Le Mistral soufflait encore la veille au soir et est totalement tombé dans la nuit. À partir de là, le mercure s'est littéralement écroulé puisqu'il y avait énormément de froid au-dessus de nos têtes. Et ce dernier est descendu très très rapidement en pleine une fois que le vent est tombé. La carte présentée à l'écran actuellement est une thermographie du tout début de matinée, de la nuit, tout début de matinée du 8 avril dernier. Les plages en bleu foncé et noir sont les valeurs sous les moins 5 degrés, donc ce qui représente automatiquement des records de plus de 40 à 50 ans mensuels pour avril de froid sur les secteurs touchés. Et on voit qu'il y a beaucoup de secteurs touchés qui sont parfois pas loin du littoral. On voit par exemple le secteur de la Mole qui est aussi sous les moins 5 degrés. On voit aussi une bulle au niveau du plan de la Tour, pas loin de la mer, mais également dans l'arrière-pays toulonnais. Et puis bien sûr, un gel beaucoup plus destructeur encore dès lors qu'on rentrait dans l'intérieur du Var, de la Plaine des Morts à Saint-Maximin, Pourrières, Riens, où là, à un mètre du sol, on a atteint les moins 9 degrés, ce qui est franchement exceptionnel. Et localement, c'est des records qui sont parfois vieux de 60 à 75 ans, suivant les secteurs, si on est plus précis. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fort que nous avons connu et de très généralisé. Ça, il faut bien avoir cette notion-là, parce qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus avoir de froid. Un autre point à noter justement par rapport au réchauffement climatique, qui nous cause beaucoup de soucis de plus en plus chaque année, nous observons du coup fatalement depuis le début de l'an 2000 que la végétation est de plus en plus avancée de 2 à 3 semaines au moins par rapport à il y a 30 ans. Donc c'est-à-dire que les coups de froid que nous appelons tardifs maintenant en avril, avant il y avait du froid dans les années 80-90, nous avons eu un gel aussi en avril 91, qui était très intense sur le pays. On avait le froid, mais on n'avait pas une végétation si développée à cause d'hivers successivement très très doux à chaque fois, ou très régulièrement. Ce qui nous pose souci aujourd'hui, c'est ça. Le graphique en question, présenté maintenant à l'écran, l'illustre clairement. On observe avant la vague de froid un pic de chaleur avec des températures maximales qui ont atteint dans le département entre 22 et 25 degrés. Ici, la station de Cabas relève le 1er avril 25,1 degrés de température maximale.
Une semaine après, la vague de froid arrive, la température s'écroule et nous avons un moins 7,4 degrés le matin du 8 avril. C'est ça qui nous pose souci aujourd'hui. Ce sont ces extrêmes, ces hivers régulièrement trop doux, souvent aussi peu pluvieux, de moins en moins pluvieux. Tout ça mis bout à bout fait que le changement climatique commence à sérieusement nous affecter. Et depuis 2016, on comptabilise au moins 4 épisodes de gel tardif, hein, pour certains intervenus début mai. Donc il faut bien prendre en compte qu'aujourd'hui, ceci nous pose problème. Donc ce qui était normal avant, on ne l'est plus forcément vraiment en fait. Hein. On ne peut pas dire que c'est totalement anormal, mais il fait froid en avril, mais c'est de plus en plus impactant en rapport avec l'avancée de la végétation qui, elle, est beaucoup plus en avance. Donc chaque coup de froid, même finalement, entre guillemets, minime, pourra poser des soucis à l'avenir. Voilà dans les grandes lignes de la description du phénomène. Alors c'est un gel qui est très généralisé, nous avons d'autres gels sous influence anticyclonique où là le gel intervient surtout dans les fonds de plaine, ce qu'on appelle le gel blanc. Là c'est du gel noir. Dans le cas du gel blanc, les températures excèdent rarement les moins 2, moins 3 degrés, ça reste un gel assez contenu. Là, sur une vague de froid, on peut rapidement descendre à des valeurs ahurissantes jusqu'à moins 8, moins 9 degrés. On a même eu moins 10 degrés à Gina Servi le matin du 8 avril. Donc pour ma part, dans les grandes lignes, voilà ce qu'on peut dire sur cet épisode froid. À l'avenir, ce que je dirais, c'est que forcément, le gel reposera probablement souci dans les dynamiques actuelles, avec les records de chaleur qui tombent souvent. Comme je vous l'ai dit, le moindre coup de froid peut devenir impactant. D'autant plus que cela s'ajoute à une autre problématique, d'autres problématiques qui sont la grêle, même si elle est souvent plus parcellaire, bien évidemment, et les très fortes chaleurs, les très fortes canicules, où maintenant dépasser 40 degrés, 42 degrés n'est plus forcément très très rare. On a en tout cas ces valeurs-là plus régulièrement, ne serait-ce qu'à l'échelle du département, mais vous le savez aussi à l'échelle du pays, les températures extrêmes à l'été. Oui, c'est vrai qu'on a eu... c'était en 2019 aussi des dégâts de brûlure sur vigne auxquels on n'était pas forcément habitué avec des 43-44 degrés au mois de fin juin. Tout à fait, exactement, avec des extrêmes. Des relevés normés qui sont montés jusqu'à 44 degrés et demi dans le nord-ouest du département et fréquemment 43-44 dans le centre, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. Et donc effectivement, pour illustrer la problématique de plus en plus prégnante en fait de ces températures très froides au mois d'avril, je voulais vous faire quelques petits premiers retours terrain. Donc en fait, on a effectivement des températures très négatives qui ont concerné tout le département. Tous les secteurs du Var sont concernés, on le voit sur les premières données de recensement. Donc là, ce sont des données de notre partenaire du CRIAM Sud, qui travaille à l'échelle régionale. On voit qu'en parallèle de ces températures, en fait, on avait des stades qui étaient quand même particulièrement avancés sur tous les secteurs, donc du secteur ultra précoce. Sur le Var, au secteur tardif, il s'agit de stades phénaux qui sont observés sur Grenache, donc 2 jours avant l'épisode de gel. On allait quand même sur des 6-7 feuilles étalées par endroits sur les secteurs précoces, et avec quand même une quantité non négligeable de parcelles qui avaient passé le stade bourgeon dans le coton. Donc voilà, on se doute bien des dégâts que ça a pu entraîner. Évidemment, ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais les dégâts sont variables. On peut avoir quelques parcelles qui, parce que c'est un phénomène très complexe, le gel, ont pu être épargnées ou moins atteintes. On peut avoir jusqu'à 100% de pousses et de bourgeons qui sont brûlés. Donc voilà, dans les premiers jours, c'est un peu compliqué d'estimer les dégâts et
Et en tout cas, en termes d'impact sur la récolte, ça sera plus que quelques jours, voire quelques semaines ou mois avant qu'on sache vraiment l'impact sur la récolte. Mais en tout cas, enfin, vous êtes bien conscient que ça fait quand même des dégâts très forts sur le vignoble. Pour reprendre les chiffres exposés par Eric Paul, effectivement, là, sur les premiers chiffres de recensement, on est à ce matin quasiment à 400 vignerons recensés sur le recensement de la Chambre d'agriculture, ce qui est particulièrement exceptionnel. On a l'habitude quand même de faire des recensements plusieurs fois par an, malheureusement, et là, cette année, c'est particulièrement exceptionnel. Donc, on est effectivement plus de quasiment 7000 hectares recensés, impactés par le gel. Voilà, donc ça prouve l'impact de la catastrophe. Voilà, donc on va répertorier les questions. Oui, Marie, donc on a juste une question de Jacques Raté qui nous demande si on peut avoir un peu plus de précision sur le phénomène de gelée noire. Quel type de gelée noire, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais répondre. Le gel noir est un gel le plus fort, en fait. Le gel qui peut geler le plus fort, qui peut griller les bourgeons jusqu'à l'intérieur. Voilà, je parle sous le contrôle de la chambre, mais de ce que j'ai constaté, c'est ça. Et donc, le gel noir, c'est un gel donc, du coup, d'advection, c'est-à-dire que vous avez une énorme masse d'air froide au-dessus de vos têtes, c'est-à-dire qu'on appelle un froid antérieur, en fait. C'est-à-dire que la masse d'air a la capacité, a la puissance de fond à fournir une gelée très violente, en fait. On sait qu'avec une masse d'air type vague de froid telle qu'on a eu là, avec des rapports là normal inférieurs à 10-12 degrés, on sait que si on a les conditions nécessaires, globalement, dans les grandes lignes, c'est un ciel qui se dégage, absence totale de vent, et vraiment un ciel qui reste dégagé jusqu'au lever du jour, en fait. Voilà, vraiment ça. Si on a ces conditions-là, déjà, et un froid très important en altitude, on sait que là, on est à risque et à fort risque. Ça, c'est la gelée noire. La gelée noire est la plus destructrice. Le gel blanc, lui, il intervient, si vous voulez, essentiellement dans les fonds de plaine, en fait. Là où le froid habituellement se met lors des gelées classiques d'hiver et de début de printemps. C'est-à-dire que le froid s'accumule en plaine tout au long de la nuit et le plus fort au lever du jour. Et ensuite, la température remonte très, très rapidement. La différence aussi se trouve sur les coteaux. Avec une vague de froid, on va pouvoir même geler sur les coteaux qui sont habituellement plus épargnés, c'est-à-dire que des secteurs qui ne gèlent habituellement pas peuvent geler. C'est-à-dire qu'on peut par exemple avoir moins 1, moins 2 degrés à 500 mètres d'altitude et dans le fond de la plaine, on peut avoir moins 6, moins 7. Pour le gel blanc, en général, les coteaux et les altitudes un peu plus élevées ne gèlent pas, hein, elles restent en positif et on gèle essentiellement dans les fonds de plaine et avec des gelées qui sont beaucoup plus modérées parce que la masse d'air n'est plus aussi froide au-dessus de nous et donc on peut gérer. Voilà, dans les grandes lignes, la définition des deux gels. Parfait, merci. Voilà, j'espère que ça répond aux questions, à la question. C'est pareil clair. On avait une deuxième question posée directement sur Facebook des viticulteurs du Plan de la Tour qui ont mis en place un collectif de lutte contre le gel et qui ont brûlé donc paille, broyade, végétaux. Ils se demandaient si tactiquement ce serait intéressant de commencer la production d'écrans de fumée quand les températures annoncées sont fortement négatives, beaucoup plus tôt dans la nuit, c'est-à-dire plutôt vers 1h du matin, par rapport à tout ce qui est chaleur au sol, diminuer la masse d'air froid présente dans l'air, au niveau de la stratégie. D'accord, merci Clémence. Donc je vais répondre. Je salue les vignerons du Plan de la Tour pour cette question. Très intéressante, puisqu'elle concerne le brûlage, effectivement, les feux de paille, etc. Alors, il faut savoir que le feu de paille, il est intéressant jusqu'à une certaine température pour produire un écran de fumée de manière à ce que les premiers rayons du soleil n'agressent pas les bourgeons, voilà, que ça ne fasse pas d'effet loupe en fait. Donc ça marche jusqu'à moins 2, moins 3. Quand la température est fortement négative et que ça démarre très tôt, en fait, brûler plus tôt peut faire un contre-effet. C'est-à-dire qu'en fait, l'accumulation de fumée dans les basses couches va permettre de créer des noyaux de condensation qui fait que l'humidité, en augmentant, puisqu'on augmente aussi un peu le point de rosée,
Cette humidité va pouvoir se fixer en fait à ces noyaux de condensation formés par la fumée. Et le problème, c'est qu'au final, si on descend sous les moins 3, moins 4 et après à des gelées encore plus fortes, sous les moins 5 jusqu'à moins 10, etc., on va finalement faire un contre-effet puisque la masse d'air sera finalement un peu plus humide. On va permettre aux particules donc, de fixer l'humidité plus facilement et donc potentiellement finalement de continuer à geler. Donc cette technique est à modérer en fait jusqu'à des gelées normales, entre guillemets, jusqu'à moins 2, maxi moins 3. Mais si on descend sous des valeurs sous les moins 3, on peut faire un contre-effet un peu comme quand on sale les routes. Si on met trop de sel sur la route, on va fixer l'humidité. L'humidité va rester plus souvent et ça va faire au final un contre-effet. Voilà, ce sont des procédés physiques, mais voilà, chaque usage est à modérer. Et dans ce cas précis, le brûlage, effectivement, n'est plus optimal et peut faire en fait plus de dégâts qu'à la base. Ok, merci. Ça répond bien à la question. Je pense que c'est très intéressant. On a une question en direct. On s'attendait depuis un moment à un épisode de gel durant la saison. Il demande si vous aviez des rapports qui sont consultables et en disant si on s'attendait à une période de gel comme cela, on aurait pu décaler par exemple la taille. Alors je vais répondre brièvement puisque je pense qu'on a encore pas mal de choses à faire, mais très simplement, on le sait, en février, janvier-février, on le sait qu'on est à risque dans tous les cas et qu'on doit faire attention. Donc maintenant qu'on a gelé plusieurs fois depuis 2016, il faut aussi faire attention et se préparer déjà bien en amont. Le gel, on ne pourra pas le voir un mois avant. On ne pourra pas. Là, déjà une semaine et demie, c'est déjà super. Quasiment 2 semaines, c'est déjà énorme en fait. Donc c'est déjà beaucoup hein, quand vous travaillez dans les vignes d'avoir cette tendance-là plus d'une semaine à l'avance, presque 2 semaines. Donc voilà, ça n'arrive pas forcément tous les ans, mais comme je le disais, il faut retenir que la notion de changement climatique d'hiver de plus en plus doux nous pousse à faire de plus en plus attention au gel quel qu'il soit dès qu'il intervient de fin mars à début mai, potentiellement en raison de l'avancée de la végétation qui se répercute aussi sur la date de début de vendange par rapport à il y a 30 ans. Voilà, et bien c'est la même chose, quelque part il faut s'adapter. Voilà, on ne pourra pas le voir un mois avant, mais il faut avoir cette notion de risque maintenant, qui avant était effectivement beaucoup plus rare, puisque les températures étaient plus froides l'hiver en général en moyenne. Parfait, merci beaucoup. C'est tout pour les questions pour l'instant. Vous aurez d'autres sessions qui vous seront proposées à la suite des 2 prochaines présentations. Donc, n'hésitez pas à intervenir dans le chat, moi je les note et on se refait une session tout à l'heure. Il y a une question qui vient d'arriver, mais à laquelle on va répondre dans la suite de la présentation pour la personne qui demandait la température sur les brûlants dans le coton. Donc voilà, un peu de patience, ça arrive. Donc, merci Johan. Donc, on va poursuivre. Si jamais il y a des questions qui vous viennent un petit peu plus tard, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail ou à contacter vos conseillers. Ça peut arriver voilà, qu'on ait des questions un peu plus tard. Alors, existe-t-il un service météo à la chambre consultable en direct? Alors, on n'a pas un service de prévision météo. On s'appuie sur nos partenaires et sur les prévisions des sites habituels. En revanche, on a un parc de stations météo où on enregistre les températures, les humidités, les pluviométries passées. Donc, on peut vous donner accès à ce moment-là. On vous enverra, on vous indiquera une diapo avec les accès aux données météo, donc passées pour le coup, pas de prévision. Je vais laisser la parole à Audrey Chaix-Briand, donc conseillère viticole à la Chambre, pour la deuxième partie, donc sur la physiologie de la vigne pendant et après le gel. Bonjour à tous. Donc, dans cette partie, on va s'intéresser à quelles sont les conséquences au niveau physiologique du gel sur nos pieds de vigne, voir un petit peu comment la vigne va pouvoir repartir. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus, hein, ça va être les conséquences sur la récolte. Donc, diapo suivante. Donc, tout d'abord, quelques mots sur la résistance de la vigne au gel. Il faut savoir donc, que c'est une plante qui met en place des mécanismes d'acclimatation
l'hiver pour survivre au froid, hein, même sous nos climats. Ces mécanismes d'acclimatation, ce sont des processus qui sont longs et complexes et qui se mettent en place dès la chute des feuilles. Donc, ils vont être multiples. Il va y avoir formation du périderme, c'est-à-dire les rameaux vont se durcir avec de la lignification. Elle va également mobiliser ses réserves de glucides qui sont sous forme d'amidon, qui sont stockés donc dans le bois, hein, dans les sarments, les troncs et aussi au niveau des nœuds des racines. En fait, la vigne va hydrolyser cet amidon en petits sucres plus simples qui vont jouer un rôle d'antigel voilà, au niveau des tissus. Il y avait également des mécanismes d'isolement, voilà, des bourgeons dormants du système vasculaire et enfin une redistribution de l'eau et une dessiccation des bourgeons pour qu'ils puissent survivre à l'hiver. En revanche, donc le mécanisme de désacclimatation de la vigne au froid, lui, c'est un mécanisme très rapide qui va être déclenché par l'augmentation des températures. Donc, par exemple, même quand on a des hivers plus doux, hein, Johan en parlait, on peut avoir des phénomènes de désacclimatation, même en plein hiver, hein, quand les températures augmentent, hein, comme c'est souvent le cas de plus en plus dans notre département. Et donc, on a vu aussi qu'avant notre épisode de gel cette année, on a vu des températures très douces. Donc, dans les secteurs tardifs où la vigne n'avait pas démarré, hein, on peut penser que malheureusement, les phénomènes de désacclimatation avaient commencé du fait de cette température douce. Diapo suivante. Ensuite, donc, voilà, la sensibilité de la vigne au gel, donc, elle est variable. Elle dépend de son stade de développement. Évidemment, plus la vigne sera développée, plus les jeunes pousses, hein, qu'elle aura mis en place vont être sensibles à ce gel. Donc, pour donner un peu une idée, donc, quand on a les bourgeons d'hiver ou au stade, voilà, éclatement des écailles, ils peuvent supporter jusqu'à moins 8 degrés. En revanche, dès qu'on a les bourgeons qui sont dans le coton et à pointe verte, les premiers dommages vont apparaître à partir de moins 2 degrés. Et enfin, donc, dès qu'on a les feuilles qui sont sorties, hein, les jeunes pousses, elles peuvent geler à partir de moins 6 degrés sur une durée, moins 0,6 degrés sur une durée de 30 minutes. Et quand on est à feuilles étalées, hein, donc toutes ces jeunes pousses sont sensibles dès 0 à moins 0,5 degrés Celsius. Cette sensibilité de la vigne au gel, elle dépend un peu des cépages. Voilà, on va avoir certains cépages qui sont plus résistants, qui ont montré des résistances à des températures plus faibles, comme par exemple le cabernet ou le mourvèdre. Donc, quelles sont ces conséquences physiologiques sur la vigne? Donc, ça reprend un petit peu ce que Johan a décrit tout à l'heure, plus en détail, hein, moi c'est plus succinct. Donc en fait voilà, on a deux types de gelée, cette gelée noire donc, qui est engendrée par des phénomènes d'air froid avec une température très basse, et donc cet air froid va entraîner une brûlure, hein, directe des tissus par un froid qui va pénétrer jusqu'au cœur des tissus. Donc et ensuite, on a un autre type, c'est la gelée blanche, donc ça va être des températures un peu moins froides. Et là, c'est l'eau qui est contenue dans les tissus de notre vigne qui va geler et va entraîner la mort des tissus par éclatement. Et en fait, c'est lors du dégel, hein, qu'on va voir donc les dégâts apparaître sur nos pousses. Donc, on va avoir un ramollissement des organes. Et puis, lorsque le soleil va apparaître, en fait, il va y avoir un phénomène d'oxydation. Les tissus vont brunir et ensuite se dessécher. Donc, c'est ce qu'on voit dans la photo en bas à droite. Donc, on avait un bourgeon qui est sain. Et à droite, c'est un bourgeon donc, qui est desséché suite au gel. Diapo suivante. Donc, suite à notre gel... La vigne va avoir des dommages structurels et fonctionnels, hein, puisque ces organes verts qu'elle avait développés sont détruits. Hein, donc, tous les organes aériens vont subir des dégâts, ce qui va entraîner un choc physiologique. Hein, donc, le pied d'une va mettre quelques semaines quand même à s'en remettre. Il y aurait également une réorganisation au niveau hormonal, un déséquilibre hormonal, puisque donc, nos jeunes pousses sont détruites, les apex qui les constituaient sont détruits,
Donc, ça va redistribuer nos hormones dans les pieds. Et enfin, conséquence importante, c'est que la vigne va devoir repuiser dans ses réserves pour redémarrer. En fait, elle avait mis en place donc, un premier cycle de débourrement, hein, des bourgeons. Et donc, suite à ce gel, elle va devoir débourrer à nouveau, hein, de nouveaux bourgeons. Donc, on va avoir un peu un épuisement, une perte de réserve. Donc ça, tout dépend quand même de notre stade de développement. Hein. Pour les secteurs qui étaient plus tardifs, varois, où la vigne était peu développée, on avait des bourgeons dans le coton ou à pointe verte. Donc les vignes n'avaient pas encore énormément mobilisé de réserve, hein, pour se développer. En revanche, les secteurs qui étaient plus littorales, hein, où, comme l'a montré Marine, on pouvait avoir 5-6 feuilles étalées. Là, voilà, plus de réserves avaient été mobilisées pour développer ses pousses, donc elle va devoir à nouveau puiser des réserves. Quelles sont les conséquences pour une vigne en production? La production de raisins, voilà, est directement impactée au niveau quantitatif, évidemment, et au niveau qualitatif, parce qu'on va avoir aussi un décalage de maturité. Surtout sur un pied partiellement gelé, on va se retrouver avec des grappes qui seront à des stades de maturité différents. Pour un plantier, donc les conséquences seront directes sur la taille de formation. C'est mon collègue Olivier Thévenon qui vous expliquera ça par la suite. Et enfin, vous avez quand même des conséquences en termes d'organisation des travaux, hein, au niveau de l'exploitation. Ça va complexifier le positionnement de vos traitements phytosanitaires, si vous avez des parcelles qui sont à des stades de développement décalés. Vos travaux en verre également. Et enfin, donc, il y aura des conséquences sur l'organisation des vendanges. On peut passer à la diapo suivante. Donc, avant de voir, donc, en fonction de l'intensité du gel et des organes touchés, quelles sont les conséquences sur la récolte, je voulais vous faire quelques rappels sur la structure d'un rameau de vigne et la répartition des bourgeons. Donc, si on regarde là, sur ce schéma, donc j'ai mon courson de l'année que vous avez taillé. Donc, à la base de ce courson, j'ai mes bourgeons de la couronne. Donc, ces bourgeons, ce sont des bourgeons qui sont dormants, hein, qui sont pas très développés, sauf le bourrillon que vous voyez qui est un peu plus haut sur le rameau qui est à gauche. Donc ce bourrillon, c'est le plus développé des bourgeons de la couronne et il pourra avoir une grappe quand même. Il peut contenir une grappe. Alors que les autres bourgeons de la couronne, généralement, ils vont dégénérer, devenir des bourgeons du vieux bois et eux, ils ne sont pas fructifères, mais ils vont donner, voilà, les bourgeons et les pampres. Ensuite, si on remonte le long de notre courson, donc on va avoir une cicatrice foliaire de la feuille de l'année précédente. Et à l'aisselle de cette cicatrice foliaire, on a un bourgeon latent. C'est le bourgeon qui sera fructifère et qui va nous donner notre rameau de l'année. Il y a également le prompt bourgeon qui se situe juste à côté. Alors lui, il n'est pas fructifère. Il se développe l'année de la pousse. Il donnera naissance aux entrecœurs. Vous savez que l'on stimule, par exemple, quand on fait de l'essimage et du rognage. Lui, en revanche, il peut quand même porter quelques grappilles. On peut passer à la diapo suivante. Donc, si on zoome sur notre bourgeon latent, que vous voyez sur votre rameau quand vous taillez, il est recouvert d'écailles, ce bourgeon qui a passé l'hiver. Et particularité, en fait, à l'intérieur, il n'y a pas qu'un seul bourgeon, il y en a plusieurs. Donc, le bourgeon principal que vous voyez en vert, qui est au cœur de notre bourgeon latent, c'est lui qui est central et qui va donner donc notre pousse de l'année et qui portera donc des grappes et des inflorescences. Donc en rouge, vous avez une ébauche d'inflorescence qui est représentée. Il peut contenir 1 à 3 inflorescences en moyenne, hein, ça dépend des cépages. Et de part et d'autre de ce bourgeon principal, on a des bourgeons secondaires donc qui sont plus petits, ils vont être moins fructifères. Bon, ils sont en général 50% à 90% moins fructifères et leur développement est inhibé par le développement de notre bourgeon principal. Évidemment, le potentiel, voilà, fructifère de chaque bourgeon dépend du cépage et de l'initiation florale qui a eu lieu les années précédentes. On peut passer à la diapo suivante.
Donc, voir un petit peu sur notre petite pousse de l'année, ce que ça donne, où sont situés les bourgeons que je vous ai décrits. Donc là, vous voyez, donc on a notre bourgeon principal, notre bourgeon latent principal qui est fructifère, qui a poussé depuis la base de notre courson donc pour donner notre pousse. Donc lui, il a porté les grappes de cette année, il s'est développé, il est à l'extrémité de notre pousse. À la base, on retrouve le bourgeon latent secondaire, donc qui n'est pas amené à se développer cette année. Et à l'aisselle des feuilles, donc vous aurez les promptes de bourgeons. Donc vous avez un prompt de bourgeon à l'aisselle de chaque feuille qui ne se développe pas systématiquement. S'il se développe, il peut donner voilà, les entrecœurs et quelques grappillons. Donc on peut continuer. Donc alors, quelles sont les conséquences en fonction de l'intensité de notre gel et en fonction des bourgeons qui ont été touchés. Donc pour les vignes dont seul l'apex a gelé, donc l'extrémité de notre hameau, là comme on voit sur la photo, donc c'est notre bourgeon principal hein, qui a gelé, donc celui qui portait les grappes. Donc, lors de sa destruction, ça va entraîner un développement donc, des promptes bourgeons qui sont à l'aisselle des feuilles et qui, donc, eux, ne sont pas fructifères, à part donner quelques grappillons. Et donc, ça va entraîner une stimulation de ces contre-bourgeons, ce qui va entraîner la repousse des entrecœurs. Donc, ça donnera par la suite un aspect buissonnant à notre vigne. Alors, en fonction du développement de la vigne, là, on est sur un développement, voilà, on est à 2-3 feuilles. Donc, là, pour le coup, les grappes qui étaient contenues dans le bourgeon principal n'étaient pas sorties, donc elles ont gelé en même temps. Mais sur des vignes qui sont plus avancées, on peut avoir juste l'extrémité qui a gelé et pas les inflorescences. Du fait de l'avancement phénologique dans notre département cette année, je pense qu'on n'a pas trop ce cas de figure. Mais ça peut arriver. On peut passer à la diapo suivante. Ensuite, donc, le bourgeon donc principal qui a gelé, donc qui était moins développé, ou le rameau entier qui a gelé. Donc là, en revanche, on peut avoir une reprise par le bourgeon secondaire, que je vous avais montré, qui était à la base de notre rameau de l'année. Donc, si lui n'a pas été affecté par le gel, il peut prendre la relève. Et donc, comme je vous l'avais dit, il est quand même fructifère, hein, moins fructifère que le bourgeon principal, mais il peut contenir des grappes. Donc, on aura quand même une récolte. En revanche, donc, comme on voit sur cette photo, si on a toutes nos pousses sur le courson qui ont gelé vraiment jusqu'à la base, donc que nos bourgeons secondaires ont gelé aussi, il peut y avoir une reprise par le bourrillon hein, qui était donc à la base de notre courson. Ce bourrillon, lui, il peut contenir une grappe ou des grappes plus petites, mais donc voilà, il sera beaucoup moins fructifère, moins fertile, mais il peut quand même donner un petit peu de récolte. Diapositive suivante. Et enfin, donc, comme on le voit sur cette vigne, hein, suite au gel, on va avoir donc un développement des gourmands, donc à partir des bourgeons du vieux bois, donc sur les bras et le tronc, donc, qui est activé hein, du fait des changements hormonaux au sein de la vigne et de la disparition de nos bourgeons principaux. Donc en revanche, ces bourgeons-là ne donneront pas de grappes, hein, ils ne sont pas fructifères, ils vont vous faire par contre de la végétation et des feuilles, voilà, et des rameaux, qui pourra permettre quand même à la vigne de passer cette saison et de faire des réserves, ce qui est important. Tous les travaux après que vous pourriez faire sur vos vignes en verre ou à la taille hivernale seront développés par mon collègue Olivier. Donc enfin, quelles sont les conséquences à court terme donc pour cette année en termes pour votre récolte hein, en fonction de l'intensité des dégâts. Donc si vous avez jusqu'à 40% des bourgeons qui ont gelé, donc moins de la moitié, il y aura quand même une compensation par les rameaux indemnes. Voilà, qui eux contiennent toujours des grappes, donc qui eux vont se développer. Il faudra évidemment que les conditions climatiques autour de la floraison voilà, soient optimales cette année pour avoir de belles grappes.
mais on aura quand même une récolte. Si on a des dégâts plus importants, donc entre 40 et 60% des bourgeons qui ont été gelés, alors la récolte sera partielle, clairement, mais comme il reste quand même des bourgeons, il y aura quand même des grappes. Et là, l'objectif, voilà, sera aussi d'assurer d'avoir du bois de taille pour cet hiver. Et enfin, quand on a eu voilà, des dégâts très importants, hein, plus de 60% des bourgeons qui ont été touchés, là, c'est sûr, il faut s'attendre à pas ou peu de récoltes. Bon, sachant qu'on a vu qu'il y avait quand même voilà, des bourgeons secondaires qui pouvaient avoir un peu des grappes, donc tout n'est pas perdu. Hein. Mais l'objectif quand même sera en priorité voilà, de faire du bois pour l'année suivante, de s'assurer que la vigne fasse des bonnes réserves avec son feuillage cette année. On peut passer. Et donc enfin, est-ce qu'il y a des conséquences pour vos vignes à long terme de ce gel? Donc, pour des vignes vigoureuses, en bonne santé, normalement, il n'y a pas de conséquences sur le long terme. Elles sont impactées cette année. Leur récolte de cette année est impactée, mais ça ne va pas impacter le potentiel fructifère sur plusieurs années. Il faudra être vigilant, en revanche, sur les travaux en verre pour favoriser une bonne insolation hein, de vos bourgeons pour justement permettre une bonne initiation florale des bourgeons restants qui donneront les grappes de l'année suivante. Enfin, pour les plus jeunes vignes où il y a eu que le gel a été intense, les vignes qui sont moins vigoureuses ou qui subissent des gels depuis plusieurs années, là par contre leur pérennité peut être compromise. Hein. Ça repose vraiment sur l'importance pour ces vignes de faire des réserves, de ne pas épuiser leurs réserves et d'arriver à faire des réserves cette année pour ne pas avoir une mortalité supérieure. Il faut savoir que les gels de printemps, généralement, voilà, n'entraînent pas de mort des cèpes. Ce n'est pas un gel qui va entraîner une mort directe du cèpe. C'est plus des gels d'hiver on a des températures qui descendent jusqu'à moins 15, qui peuvent entraîner une mort directe des cèpes. Mais ça ne se voit pas sur les gels de printemps. Voilà, c'est terminé pour la partie et on verra ensuite. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, hein, j'y répondrai. Merci Audrey. Donc en fonction de ce que vient de nous présenter Audrey, on va commencer à passer en revue comment réagir justement après ce gel. L'idée c'est de répondre à deux grands objectifs en fonction de l'intensité des dégâts et des bourgeons qui peuvent rester. On va essayer de favoriser un maximum une récolte, même si on sait qu'elle sera partielle, voire petite. Et surtout, on va faire en sorte d'obtenir assez de végétation bien répartie et saine pour pouvoir synthétiser des réserves qui vont être stockées pendant l'hiver suivant. Et on va faire en sorte de favoriser et de faciliter la taille de l'hiver qui va arriver. Donc, la première chose à faire, j'ai envie de dire malheureusement, c'est dans les premiers temps de ne rien faire. Ou en tout cas, de patienter et d'observer. C'est assez humain, je pense, de se dire qu'il faut tout de suite réagir quand il y a une telle catastrophe qui arrive. Mais il est préférable de ne pas intervenir tout de suite. Alors tout de suite, c'est-à-dire le lendemain, se donner le temps d'aller observer ce que ça a donné en termes de dégâts et après dans un moyen terme d'observer ce qui va reprendre. Donc est-ce que quand la vigne a subi un gel, est-ce qu'il faut retailler derrière sa vigne? Dans la majorité des cas, pour l'épisode de gel qui nous concerne cette année, la réponse va être non. D'abord parce que
on a eu quand même très peu de parcelles où on avait déjà des grappes présentes, même si ça a pu être le cas, ça reste quand même limité. Donc en fait, au niveau de la retaille, tout ce qui concerne les pousses qui ont totalement gelé, mieux vaut ne pas intervenir et laisser redémarrer les contre-bourgeons, donc bourgeons secondaires qui pourront redémarrer, ou éventuellement donc les bourgeons de la couronne, et ensuite donc bien travailler sur les bourgeonnages, sur le choix des rameaux à garder. Ce type de non-intervention peut aussi concerner des parcelles où on a 10-20% de pousses et de bourgeons gelés, où ça n'est pas la peine d'intervenir, mieux vaut le travailler derrière en ébourgeonnage. On peut avoir le cas de pousses qui sont partiellement gelées à l'extrémité et qui contenaient déjà des fleurs, mais comme je vous l'ai dit, c'est loin d'être la majorité des cas cette année après le gel. Ce serait le seul cas où on pourrait éventuellement conseiller une nouvelle taille pour favoriser en fait le départ des contre-bourgeons. L'idée là serait de supprimer en fait les futurs entrecœurs, donc ceux qui partent du prompt bourgeon, puisque en fait quand l'extrémité de la pousse est gelée, en fait c'est l'entrecœur, donc le prompt bourgeon qui prend le relais et qui va avoir tendance, enfin qui va inhiber le départ potentiel des bourgeons secondaires, qui sont plus fructifères pour le coup que les entrecœurs. Donc, si on veut vraiment travailler là-dessus sur une retaille, l'idée serait de supprimer ces prompts bourgeons, ces entrecœurs. Alors, le mieux serait de supprimer les entrecœurs qui sont à l'opposé des bourgeons secondaires qui pourraient démarrer. Mais voilà, c'est une opération qui est quand même très délicate, qu'on conseille plutôt de faire au ciseau ou à la main, en essayant de ne pas arracher, de crainte de faire sauter aussi les contre-bourgeons qui auraient pu démarrer. Et donc là, pour le coup, de ne pas avoir du tout l'effet escompté. Donc, ça permet aussi de la suppression d'un certain nombre d'entrecœurs, de faciliter la taille de l'hiver suivant. Voilà. Mais comme c'est quand même très long et très délicat, on peut se demander si ça vaut vraiment le coût économique aussi, voilà, de passer du temps sur chaque pied pour retailler. Donc ensuite, au niveau de la nutrition et de la fertilisation, donc il faut savoir que la vigne, jusqu'à l'approche de la floraison, elle va sortir en fait ses réserves du vieux bois, comme l'a précisé Audrey. Elle va puiser l'amidon qui est dans le bois pour pouvoir assurer la croissance et le débourrement, ce jusqu'à à peu près floraison. On le voit sur le graphique, c'est vraiment à l'approche de la fleur qu'il y a une forte absorption, on le voit là, de l'azote, qui va se faire après floraison, plutôt absorption au niveau du sol. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que cette année le gel a été, on va dire, relativement précoce, c'est-à-dire qu'on a quand même un débourrement qui a été entamé sur beaucoup de parcelles, mais peu de parcelles où on avait une avancée vraiment marquée des pousses. Et donc, pour le coup, la vigne n'a pas forcément mobilisé une quantité énorme de ses réserves du vieux bois. Donc, c'est un peu la chose positive dans le malheur. Donc elle va quand même devoir repuiser ce qui reste dans ses réserves pour assurer un second débourrement. Donc il faudra quand même veiller l'année prochaine à bien justement travailler sur le feuillage et à bien l'alimenter, à bien travailler ses sols et sa gestion de la fertilité pour l'année prochaine, pour avoir quand même des bonnes réserves
puisque là, elle aura quand même épuisé une bonne partie, si ce n'est toutes ses réserves pour redémarrer. Il faut savoir que quand ça va redémarrer, on va être sur une période où théoriquement les températures devraient être plus élevées, même si là ça tarde un petit peu à venir le réchauffement. Et donc on va se trouver sur des températures qui seront supérieures à ce qu'on devrait avoir normalement sur une phase de débourrement. Et en fait, la croissance, c'est la température, c'est le facteur principal qui va motiver la croissance, sous réserve qu'on ait assez d'eau et pour pouvoir bien démarrer. Et donc là, avec des températures qui vont normalement remonter, quand ça va redémarrer, ça va repartir très fort. Donc en fait, c'est pour ça qu'on ne conseille pas d'apporter de fertilisation azotée dans l'immédiat. D'abord parce que ça n'est qu'à partir de la floraison que vraiment la vigne va être en capacité d'aller puiser dans le sol les réserves d'azote pour sa croissance. Donc en fait, apporter de l'azote maintenant et ce jusqu'à floraison, ça permettrait plutôt de nourrir les enherbements que sa vigne. Et ensuite, un apport trop important d'azote à ce stade-là et en amont du redémarrage pourrait avoir un effet inverse sur ce qu'on souhaite, à savoir provoquer de la coulure, provoquer un redémarrage très buissonnant de la végétation et trop fort en fait. Donc en fait les apports d'azote peuvent éventuellement se justifier par la suite sur des vignes sur lesquelles qui seront particulièrement chétives ou qui auront eu beaucoup de mal à mettre en réserve l'année précédente ou qui auront eu des défauts de fertilisation les années précédentes ou en sortie d'hiver. Et donc, à ce moment-là, on pourra jouer au cas par cas sur ces vignes-là en fonction de l'apparition de carences sur des pulvérisations foliaires à plusieurs stades du cycle de la vigne. Donc, on pourra, sur ces vignes-là, au cas par cas, préconiser des apports d'azote de la floraison à la véraison. Là, l'objectif sera vraiment de développer la végétation et de booster la photosynthèse pour des vignes qui seront un peu faiblardes. Ensuite, entre véraison et vendange, ça pourrait permettre d'augmenter les azotes assimilables dans la pulpe. On peut aussi travailler sur les aspétioles. Et ensuite, éventuellement, il peut y avoir certains cas où on peut avoir besoin de, sur des feuillages qui sont chétifs ou qui sont abîmés, avoir une pulvérisation après vendange, avant que les feuilles tombent évidemment, pour favoriser la mise en réserve hivernale. Puisque là, vraiment, comme je vous l'ai dit au démarrage, un des objectifs, c'est vraiment d'avoir un feuillage qui va nous permettre de faire quand même une bonne photosynthèse, mais qui reste quand même bien réparti et bien aéré pour pouvoir assurer une bonne protection phyto et derrière une taille intéressante, pour après pouvoir mettre en réserve un maximum pour l'hiver prochain. Voilà, dans la plupart des cas, on ne devrait pas avoir besoin de refertiliser ces vignes. Voilà, je laisse la parole à Olivier. Je vais lui donner la parole. Bonjour à tous. Donc là, je vais vous parler de l'ébourgeonnage parce que on pourrait se dire j'aurai pas de récolte, donc je vais pas ébourgeonner, je verrai à la taille. Et en fait, c'est pas une bonne solution. Alors ça peut être un peu décourageant de retourner dans les vignes, mais en tout cas, la chose à savoir, c'est que ça va quand même être important de faire un ébourgeonnage. Ça va vraiment dépendre de l'impact du gel et des repousses, en sachant que suivant l'âge des vignes, suivant les cépages et l'intensité du gel,
il va y avoir plus ou moins de repousses. Et sur certaines, il pourrait y en avoir beaucoup. Et donc, à ce moment-là, il va falloir absolument éviter les reprises trop broussailleuses sur les bras, parce qu'ensuite, la taille, elle sera vraiment, vraiment très, très compliquée. Et donc, on peut envisager, dès les bourgeonnages, de reformer les coursons quand ceux-là ont disparu. D'ailleurs, pour répondre à la question que j'ai vue tout à l'heure, est-ce qu'il faut enlever tout ce qui n'est pas sur les porteurs, je dirais que ça dépend. En fait, s'il y a des redémarrages sur les porteurs, alors que ce soit même des bourgeons de la couronne, il vaut mieux ébourgeonner le reste, comme ça on repart directement sur l'ancien courson. Par contre, si les coursons sont détruits, il faudra en reformer des nouveaux et donc bien veiller à ce que sur les bras, ils soient bien espacés pour forcément limiter l'entassement de végétation. Alors après, des fois, on n'a pas le choix. Sur certaines vieilles vignes, sur certains cépages, il n'y a pas énormément de repousses, on prendra ce qui reste. Hein. Et donc là, dans ce cas-là, les bourgeonnages sera très léger, forcément. Et sinon, donc, autre chose importante, donc, au niveau de l'épamprage du tronc, il faudra faire le tronc, sauf si bien sûr les bras sont morts, et donc là on gardera des gourmands pour reformer un nouveau bras, mais sinon il faut vraiment supprimer les gourmands, sinon ils prendront toute la sève en priorité et n'alimenteront plus les bourgeons qui ont déjà souffert, et les contre-bourgeons ne démarreront beaucoup moins. Donc au moins pour les bourgeonnages, c'est vraiment important de faire le tronc. Alors sur les plantiers, c'est la même chose. Là, les plantiers, il faut vraiment les ébourgeonner. Il y en a certains qui pourront repartir vraiment avec plein de rameaux. Et donc dans ce cas-là, c'est vraiment conseillé de... Enfin, s'ils repartent, hein, bien sûr. Et dans cela, c'est vraiment conseillé de bien les ébourgeonner et de se laisser un rameau de secours au cas où il y a un accident derrière. Il y a toujours de la casse possible, on ne laisse pas qu'un seul rameau. Hein. Voilà. Donc on peut... Donc un dernier point par rapport à la protection phytosanitaire. Comme on l'a dit, en fait, c'est très important d'avoir une bonne photosynthèse et donc... un feuillage qui est sain, donc l'important c'est de ne pas baisser les bras et de se dire bon, ma vigne a gelé, je ne fais plus rien. Au contraire, la végétation risque d'être plus buissonnante, d'où l'intérêt de bien travailler ses bourgeonnages, et comme c'est très important de la garder intègre, la protection phytosanitaire s'avère vraiment, vraiment essentielle pour un millésime comme 2021, sachant qu'il faudra aussi évidemment protéger les grappes qui auront pu se former malgré le gel. Donc voilà, qualité de feuillage, la qualité de feuillage va être essentielle pour l'ahoutement des bois, la mise en réserve. Donc voilà, après on peut travailler sur des réductions de doses au cas par cas, sur de l'optidose pour pouvoir quand même gérer moins d'apport de produits phyto, particulièrement cette année, mais c'est important de garder une bonne protection phyto. Voilà. Alors on a eu plusieurs questions sur le chat, je vais reprendre peut-être dans l'ordre... des présentations, une partie plus physiologie, peut-être pour Audrey. On demandait, est-ce que repousser la date de taille permettra de retarder le débourrement? Alors oui, tout à fait. Si on procède à une taille tardive, on va dire au mois de mars, fin mars, ça permet de décaler le débourrement de 5 à 10 jours par rapport à une taille en janvier ou au mois de février. Donc oui, ça peut permettre, et en jouant sur vos dates de taille, ça peut permettre de décaler hein, le débourrement de vos vignes. Ok, merci. Ensuite, on a une question plus technique. Donc le fait de déchausser, donc d'éloigner la terre au pied du cep, peut-elle réduire les conséquences du gel? Je ne sais
ne sais pas qui souhaite... Alors moi, du coup, cette pratique en particulier, je ne sais pas si enlever la terre au pied du cèpe peut réduire les conséquences du gel. Mais un commentaire que je peux faire par rapport à une pratique qui se fait au Canada, c'est que dans ces régions où les températures vont énormément baisser en hiver, en fait, pour protéger les pieds, ils les butent, ils les recouvrent de terre jusqu'à assez haut. Ils ont des pieds voilà, plutôt bas. Donc, en fait, la terre a plutôt un effet isolant et permet aux vignes de passer l'hiver dans ces régions qui sont plutôt extrêmes. Donc, après, à l'automne, voilà, je n'ai pas de réponse à la question. Au printemps, pardon. D'accord. Merci, Audrey. Donc, ensuite, qu'en est-il du soutien nutritionnel pour la floraison, Marine, tu as répondu à la question. On a une question, est-il utile de mettre de l'azote pour les plantiers, notamment après floraison? Alors du coup, ben là c'est pareil, c'est au cas par cas. Effectivement, sur des plantiers qui peuvent être chétifs, ça peut être intéressant pour les aider à favoriser la végétation. Mais vraiment, encore une fois, au cas par cas, si on a des plantiers qui sont... où on a une repousse qui est quand même importante et buissonnante, limitée. Par contre, effectivement, si c'est faible, pourquoi pas, oui, des apports d'azote. Après floraison, pour le coup. Parfait. Et on a une question sur la taille aussi qui va peut-être pouvoir, Olivier... faire la transition avec la suite de la présentation, c'est laisser une baguette en extrémité de bras et l'enlever fin mars, peut-il retarder le débourrement? Alors normalement, ça va pas retarder le débourrement. Par contre, ça peut permettre, enfin, quand on de laisser des baguettes plus longues, ça beaucoup le font. Vu que c'est toujours les yeux aux extrémités qui débourrent en premier, ça peut permettre de, quand l'épisode de gel arrive, que ce soit les premiers bourgeons qui gèlent et pas ceux de la base des coursons. Bon, par contre, il faut savoir à quel moment couper la baguette et tant qu'il y a le risque de gel. On peut pas trop savoir, et en sachant que bon, une fois que ça a démarré aux extrémités, pour redémarrer les bourgeons de la base qui n'ont pas démarré ensuite, la vigne va faire deux débourrements. Donc ça peut puiser dans les réserves. Après bon, si ça peut éviter de geler, ça peut être une bonne solution quand même. Hein. Il vaut peut-être mieux qu'elle puisse deux fois dans ses réserves qu'elle gèle intégralement. Parfait, merci Olivier. Si on est bon, on va passer à la dernière partie. C'est bon, Clémence? Et pour info, cette technique a été testée sur Gonfaron et fonctionne. Voilà. Oui, en effet, ça permet quand même d'avoir comme l'a dit Olivier, les bourgeons de la base du rameau qui partent plus tard. Voilà. Après, effectivement, si... par malchance, il avait gelé un peu plus tard. Ces bourgeons de la base auraient pu aussi démarrer. Mais bon, là, pour le coup, effectivement, ça a dû marcher. Voilà. Je poursuis donc sur la dernière partie où on a souhaité aborder. Alors, on est un petit peu en avance, peut-être pour parler de ces questions-là, et on vous invitera à revenir vers nous à l'approche de la campagne de taille. Mais donc, on va aborder les aspects taille hivernale des vignes qui ont été gelées. Donc, c'est Olivier qui va nous faire cette présentation de cette partie-là. Si son micro est activé, oui, c'est bon. Oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la taille va être beaucoup plus complexe que habituellement, d'où l'intérêt aussi, dès les bourgeonnages, de limiter ce qu'il y aura à tailler, parce que
en sachant qu'à l'ébourgeonnage, on fait quand même nettement des plaies beaucoup moins grosses qu'à la taille. Donc voilà, encore un point pour que l'ébourgeonnage soit fait aussi. Et donc, je peux avancer les diapos, hein, c'est ça. Donc en gros, au moment de la taille d'hiver, il va vraiment falloir regarder qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui a été détruit et qu'est-ce qui a repoussé. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des temps de travaux, ça va durer plus longtemps. Surtout si on n'a pas ébourgeonné, donc là on aura beaucoup plus à tailler. Mais même si on a ébourgeonné, ça va être plus compliqué parce qu'il va savoir. Donc en fait, il y aura plusieurs situations. Soit en fait, sur un courson, il n'y a qu'un bourgeon qui a gelé. Et suivant les repousses qu'il y a, ensuite, ce ne sera pas la même chose. Alors bien sûr, des fois, il y a les yeux de la couronne qui sont partis. Donc là, on se rapproche du vieux bois. Donc, en fait, il y a des choses à faire derrière. Et ensuite aussi, donc, ça peut être aussi des gourmands. Et en fait, jusqu'au pire cas où en fait, il n'y a rien qui a repoussé. Et donc, on est obligé de refaire un bras, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, on part d'un gourmand sur le pied et on reforme un bras. Donc en fait, il va vraiment, comme je vous le disais, vraiment falloir regarder chaque pied, parce que là, c'est chaque parcelle, c'est même pas chaque parcelle, c'est chaque pied est un cas particulier. Donc du coup, avant d'arriver de tailler comme on peut faire mécaniquement, il va vraiment falloir regarder qu'est-ce qui est resté. Donc pour ça, il faut que les tailleurs soient formés forcément, hein, parce que c'est pas comme d'habitude. Là, on ne redescend pas à deux yeux les coursons comme habituellement. Alors, chose à faire aussi, on ne s'amuse pas à changer de mode de taille. On ne transforme pas le pied en guyot ou en cordon derrière, parce que là, ça serait, je pense que les vignes auraient vraiment de mal à supporter. Et autre chose importante, on évite de pré-tailler si on a beaucoup de pieds à rétablir, hein. Enfin, ça paraît logique, mais il faut y penser. Donc bien avant de pré-tailler, regardez si l'état dans lequel sont les vignes. Et alors bien sûr, ça vaut pour toute la taille qui est un gel ou pas. Il faut toujours éviter le plus possible de faire des grosses plaies de taille. Et quand on peut, s'il y a des sarments à tailler, en fait, de respecter le plus possible les flux de sève. Alors donc, une fois qu'on est devant son cep, qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez des rameaux sur les coursons. Là, c'est pas compliqué, c'est comme d'habitude. Vous taillez à deux yeux. Alors, quand il y a eu des bourgeons de la couronne qui sont partis, donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux-là, l'année suivante, ils seront fructifères. Donc, on peut les tailler à deux yeux, il n'y a pas de souci là-dessus. Et bien sûr, si on peut, on essaye d'en garder qui sont bien orientés dans le flux de sève, avec des yeux bien orientés vers le bord de la souche et pas vers le rang, pour pas que le sarment démarre et gêne les mouvements à l'intérieur de l'interrang. Et alors ce qui peut être bien pour un peu rééquilibrer, c'est que après on s'adapte à la parcelle, mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de tailler plutôt à trois yeux, quitte à enlever un peu de raisin s'il y en a beaucoup trop, pour s'assurer une récolte un peu suffisante. Alors je sais, je dis ça, peut-être que au syndicat ils seront pas contents, mais en tout cas, pour ensuite on aura une meilleure vendange l'année suivante. Alors donc en fait
Qu'est-ce qui se passe en fait quand il y a des gourmands aussi sur le vieux bois? Donc là, il faut les tailler à deux yeux. On n'est pas obligé de refaire un bras directement, hein, on s'adapte toujours à la vigueur, hein, quand ce qui a poussé est trop petit, on reforme pas un bras directement, on le taille à deux yeux et on peut reformer le bras l'année suivante. Là, de toute façon, on n'est plus à un an près. Alors les gourmands, ça arrive parfois qu'il y ait des... Alors là, très très rarement sur ce qui part sur le tronc, mais en fait, les gourmands qui partent sur les bras, c'est possible qu'il y ait des grappes, elles seront plus petites comme a expliqué Audrey, mais bon, c'est possible. En tout cas, si les coursons sont détruits, il va falloir en reformer, et donc à partir forcément de gourmands qui seront sur les bras. Et ceux-là, quoi qu'il arrive, ils seront fructifères l'année suivante. Donc, il va falloir bien les garder. Et alors aussi, une chose importante, quand vous éliminez les anciens coursons qui ont gelé et qui, eh ben là, vous évitez un maximum de faire des grosses plaies. Donc, c'est-à-dire que vous laissez un cône de dessèchement assez important pour pas que la plaie descende dans le vieux bois et fasse des nécroses qui vont bloquer les flux de sève et faire rentrer toutes les maladies type ESCA et otitisme. Alors là, il y a un exemple. Les deux bras, en fait, sont morts ou à moitié vivants. Donc, là, vous avez de la chance. Il y a deux énormes gourmands qui sont partis. On peut reformer quasiment deux bras directement. Et donc, quand vous allez scier les deux bras qui sont sur les côtés, pensez bien à faire, comme je vous l'ai dit, là, c'est plus un cône de dessèchement, c'est carrément un morceau qui faut laisser vraiment une longueur assez suffisante. Là, d'ailleurs, le trait de coupe, on peut même le mettre encore plus haut, hein, il n'y a pas de souci ensuite. Il vaut mieux laisser vraiment une bonne marge pour que le cône de dessèchement se fasse. Alors sur les plantiers, ça peut être compliqué. En fait, donc ça arrive sur les plantiers de l'année qui avaient démarré quand ils ont totalement gelé. Généralement, il faut remplacer les plants. Ça arrive. Là, malheureusement, il faut changer le plan. Si, comme sur l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure à les bourgeonnages, s'il y a eu des repousses, donc généralement, il vaut mieux les tailler à deux yeux, parce qu'elles seront généralement assez faibles, vu qu'elles ne viennent pas des bourgeons principaux pour former un tronc. Donc, c'est pareil, hein, il vaut mieux retailler à deux yeux que former un tronc qui tiendra pas la route. Et alors ensuite, sur les troncs, par exemple en troisième feuille, sur les troncs qui avaient déjà été formés, il faut vraiment bien regarder s'il n'y a pas des lésions ou des crevasses sur le sarment qui formera le tronc. Et s'il y en a, il faut essayer de couper en dessous les nécroses. Sinon, en fait, la vigne va garder ses nécroses et aura des flux de sève bloqués dès l'origine. Donc, en fait, vous coupez sous la nécrose et en espérant qu'un nouveau rameau repousse. Mais généralement, il y en aura, ou alors on reforme un pied avec un rameau qui est parti de beaucoup plus bas. Alors bien sûr, ça arrive là, ça va peut-être arriver avec l'intensité du gel qu'il y a eu. Dans le cas extrême, des fois, tout a gelé jusqu'au point de greffe. Il y a tous les bourgeons qui ont gelé. Et là, vous avez soit deux solutions, c'est soit remplacer le plant, soit greffer, faire une greffe en fente sur le porte-greffe directement. Bon, dans ces cas-là, là, c'est vraiment extrême. Mais ça peut arriver. Donc là, vous avez un exemple. Donc, vous voyez, bon là, c'est facile, mais voilà, ça arrive pas à tous les coups. Donc, du coup, là, vous avez le tronc de l'année dernière qui a gelé complètement, et par miracle, il y en a un nouveau qui a poussé. Donc là, on coupe l'ancien, toujours en laissant
une marge pour avoir un cône de dessèchement suffisant. Et là, on reforme un pied avec ce qui a poussé. Bon, alors là c'est facile. Et en fait, sur la droite, on repart de rameaux qui sont partis dans l'année en éliminant tout ce qui avait été formé avant. Et alors, bien sûr, on ne repart pas de trop bas et ni de trop haut. Et bon, sauf si ce n'est pas possible, après on fait avec ce qu'on a. Et rappelez-vous que pour former les plantiers, il faut toujours avoir une belle arcure et pas de pincement. On ne fait pas des pincements à 90 degrés sur le fil porteur, parce que les flux de sève, ça fonctionne un peu comme un tuyau d'arrosage. Donc, si on coupe le tuyau, la sève circule beaucoup moins. Et alors, il peut y avoir un moment où c'est assez compliqué, c'est qu'en fait, des fois, vous avez toute la tête de souche qui est au-dessus du fil porteur et il n'y a rien qui a poussé en dessous. Donc on est obligé de tailler un courson à deux yeux au niveau du fil porteur. Alors là, il vaut mieux pas que ça arrive, mais des fois, on n'a pas le choix. Donc, il faut garder pour faire un flux de sève. Un tiercève tout en haut et en espérant que l'année suivante, il y aura des bourgeons qui vont démarrer sur le tronc pour former un bras l'année suivante. Voilà. Alors donc, bien sûr, pour conclure, donc, quel que soit le système de taille, hein, ça marche pour tous les systèmes, que ce soit en cordon, en gobelet ou en guyot. En fait, tout ce qui est détruit jusqu'à la tête de souche, il faudra recéper. Hein. Forcément, il n'y a rien qui va repartir sur les bras qui ont totalement gelé. Hein. Alors donc, pour vous garder dans ce cas-là, quand les bras ont gelé, pour vous garder un maximum de sécurité pour qu'il y ait des gourmands. Alors, comme on a vu, on ne laisse pas trop de gourmands non plus, mais on essaye d'en laisser quand même. Si on doit refermer un bras, évidemment, on ne fait pas des prempages mécaniques, parce que là, du coup, ou chimiques, parce que du coup, on va éliminer tous les gourmands. Et donc, on ne pourra plus reformer de bras. Et alors, là, je vous l'ai déjà dit, les temps de taille, généralement, après un fort gel, sont généralement quasiment doublés. Hein. Et il faudra forcément que les tailleurs soient formés, expérimentés pour tailler derrière. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la future récolte sera forcément impactée parce que il va falloir reformer les vignes et les coursons. Donc, vous pouvez généralement, si, surtout sur les vignes plus âgées qui font moins de repousses, vous pouvez avoir déjà la première année les dégâts dus au gel et l'année suivante un peu moins de récolte parce que les coursons auront été plus ou moins formés suivant ce qui a poussé. Voilà. Super Olivier, on a deux questions qui ont été posées dans le chat. Quelle est la meilleure période pour regreffer un plantier si nécessaire? Pour regreffer un plantier, c'est au printemps, hein, quand il y a des gros appels de sève. Alors pas tout de suite après le gel, hein, forcément, comme on a dit, comme Audrey l'a dit, les semaines qui suivent, là, il ne faudra pas, on ne regrette pas maintenant. Ok. Et ensuite, on pose la question, est-il possible que le plantier gèle jusqu'aux racines, ce qui remettrait en cause la possibilité de greffage en place? Généralement, en fait, les porte-greffes, ils sont vraiment dans le sol, donc à l'intérieur du sol, c'est assez rare qu'il y ait des gels qui vont geler les racines. Après, sur les moins 10, là, par exemple, oui, je pense que les racines gèlent aussi. Hein, mais en tout cas, c'est sûr que généralement, les porte-greffes, ils sont à l'abri dans la terre. Pour qu'il gèle, il faut vraiment, que le sol gèle aussi. Dans le cas où on a vraiment un plantier qui gèle jusqu'aux racines, c'est considéré dans ces cas-là comme une perte de fonds.
pour la vigne, quoi. S'il y a une nécessité d'un arrachage et replantation, voilà, c'est une perte de fonds dans ces cas-là. Effectivement, sur des températures extrêmes comme on a pu avoir, du moins 8, moins 9, moins 10, ça a pu arriver. Je ne sais pas si on a d'autres questions, Clémence. Pour les questions par rapport à la présentation d'Olivier. Donc, sachez que bon, malheureusement, depuis quelques années, nous proposons à la Chambre d'agriculture un programme de formation à la taille spécifique en fait aux parcelles et aux exploitations qui ont eu des intempéries comme le gel, la grêle ou même les inondations. Donc vous aurez cette fin d'année un programme de formation à la taille et probablement un programme spécifique axé sur la taille après le gel.